Bonjour à tous, ici Akanet MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 11 sur Tales of Kanzera, il est temps de continuer notre aventure. Après avoir continué tout simplement l'ascension vers le mont Ichaka, qui est donc le volcan, le dernier acte du jeu, je pense, le troisième et dernier acte, ou peut-être qu'il y en a un final, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là-bas qu'il y a peut-être le troisième esprit et peut-être le boss final, je ne sais pas. En tout cas, nous avons débloqué ceci lors du dernier épisode, qui nous permet donc de planer, hein, tout simplement, et utiliser les courants ascendants. Yeah. Attention, parce qu'il y a des ronces, ça pique. Oh, ça va fight ici. Ah, c'était sûr. Putain. Bon, attends. Mais j'arrive même pas à les approcher. Non, il y en a encore. C'est pas fini, hein. We just need to keep moving, eh? I am not going to end up as the Adze's meal. That is not how Adze operate. You are not a meal to them, Zhao. You are another potential Adze. To devour your mind, regurgitating you into a cocoon so that your body may slowly mutate cocoon. Into their form. A cocoon. We just have to keep moving. Bah ouais, c'est ce que je comptais faire en fait. Mais si tu m'interromps tous les 5 minutes... Ça fait un moment qu'on m'a pas trouvé de baobab. Ah bah regardez, il y en a un juste là. Mais comment je vais y aller? Je ne sais pas. Comme ça. Et j'y ai juste pensé. Et on a trouvé un baobab. J'ai train de me dire justement qu'on allait, ça fait un moment qu'on n'en avait pas trouvé en fait, et ça permet d'avoir de la santé, donc autant le faire. I can smell the remnants of old incense. It would appear that a passerby may have used this same tree to meditate not too long ago. For a moment, I could see Baba. Vividly, lighting incense, bathing in the smoke. I would watch him. So? That was too much.
Ok. Santé augmentée. Très bien. Du coup, on a une autre barre. Voilà. Donc là, je crois qu'on a une deuxième barre complète de santé. Alors, j'ai jamais compris pourquoi elle était fragmentée, hein, mais... certainement parce qu'on a trouvé 4 baobabs. Ici, on a un établi. Et ici, on a ça. Ok. On se rapproche, hein. Oh là là, c'est toujours plus. Ah attends, il faut que je bute lui en fait. Ah bah là, je vais crever, c'est sûr. Attends. Mais s'il pouvait descendre aussi, cette espèce de connard. Bon, attends. Maintenant à nous deux. Oh non mec. Ça devient chaud là. Regardless, we must focus. There may be worse challenges still. Ça devient vraiment chaud là. Mon Ichoka. We have arrived at the mountain. Now begins our true ascent. Alors, on a la possibilité de passer par là. C'est les sacs à PV ces saloperies là.
Ah oui, forcément il repop. Voilà, on va faire ça vite fait, bien fait. C'est vous. Ah, village d'Ichoka, ok. You should not sneak up on people, young shaman. It is unbecoming of the trade. Wait. How did you know I was a shaman? Those masks. They belonged to a great man. Yes, they did. You have traveled far from Amandla. And farther still to go. I am Zhao. Bomani, of Ichoka. We are no threat to one another. We are not. But I see on your face that something troubles you. It is my son. Or the absence of him, I should say. I am waiting for his return, yet as I wait, he still does not come. We were evacuating Ichoka, but my son hesitated. He could not live with the fact that he had still not undertaken the Enduring Rite. The Enduring Rite? It is a way of Ichoka. Young aspirants sought favor from the gods, and my son was keen. We argued. I told him it was just a ceremony. Surviving is more important now. But sons have a way of defying their fathers. And so he left for the mountain, to the right. He wore his mask, spear in hand, ready to prove himself to no one. He promised we would meet at this outpost right here. And so I still wait. I wait and wait. I am headed to the mountain myself to seek out the Great Spirit. If I see your son, Bomani, I will send him to you. Careful steps, Shaman. Mercy is a rare bloom that does not grow in its shocking soil. Okay. Oh. Tu vas me dire que là, il y a encore un pouvoir à avoir? Putain, mais il y en a combien? Ok. Bon, ça c'est la zone finale. Hein. On a toute la carte qui est dévoilée quasiment. On sera allé partout. Bon. I know, Zhao. I know. This is the true work of a shaman. Yes. I hope we can find his son. I pray he is alive and well. Bon, là, on peut dire que c'est vraiment de la lave. Là, ils vont me parler là-dedans. Ça a l'air très chaud. De toute façon, ce genre de jeu se finit toujours par la lave. On l'a bien vu dans les Ori and the Blind Forest et The Wheel of the Wisps. Focus.
motherfuckers. Right. Mais... Couché, nom de Dieu. Mais arrête de m'enculer! Putain, il est en train de me soulever la rate! Putain, je t'ai pas demandé mes jacuilles dans les ronces! C'est pas possible, tu vas crever, connard! Ces zones de mort là. Hmm. I think this is Bomani's son's mask. It would seem so. Cracked and damaged.
Putain, mais... Quoi que je fasse, je me prends des coups. Tu vas rendre l'âme, putain, mais c'est pas possible, ça. Voilà. Les sables torrides. On va aller là, il y a un bob. Reflecting. Maybe it could help. Talking. Or sometimes, maybe not. I'm so used to just doing. All the time, doing. It is not as if you are doing nothing now, Zhao. No. You are right. I am healing. I guess. Voilà. Y'a rien ici, très bien. Oh, une corniche là-haut. Y'a une corniche là-haut. Mais je ne peux pas y aller. Ça marche pas, ça. Non mais... Ah!
Ok, c'est seulement quand on est en lune en fait, d'accord. Je sais toujours pas à quoi ça sert ça. Sanctuaire du chaman. C'est certainement pour débloquer encore un pouvoir. Ok. J'aurais jamais cru qu'il allait avoir encore un pouvoir ici, je te jure. Puissance de Tsukudu. Tsukudu, Tsukudu. Alors, ma tonalité est utilisée L pour viser, puis B. Ouais. Pour invoquer la puissance de Tsukudu. Et propulser Zao vers l'avant afin de traiter les barrières renforcées et les ennemis. Aditya Tsukudu, Zao, you now possess within you Tsukudu's might. And what a mighty predecessor he was. Long ago, a great evil amassed in the harsh dunes. It was a creature of unspeakable wickedness and insidious intent. It sought to drain the spirit of the earth, protecting itself in a dome of shimmering blackened stone. The great Tsukudu refused to allow this Tsukudu! To pass. That's marrant, quand même. He charged with all his might the fury of the gods within him as he broke through the impenetrable dome. He took a mighty step forward, and that made all the difference. A might that helped save this world. I hope I can live up to his valiance. I will wield this in his honor. Débloquer toutes les capacités. Bah là, c'est officiellement la dernière. Ah ouais. Il y a sûr et certain, il y a quelque chose là-haut. Leur dash dessus, tout. Trop bien ça. Donc là, nous faut qu'on aille ici. This spear is near identical to Bomani's. I do not doubt this is a clue to his son's location. We draw close to our answer. Why would the son abandon his mask and spear? Let us keep looking. Pop, 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 pop. Attends, 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 attends.
comme un pont là. It's Shoka, the great bastion of the north. Where Ikakaramba found power in innovation, where Kivuli in adaptation, it's Shoka found it in endurance. Mm-hmm. Y a rien ici là. Summit. We must open the gate if we are to find the Great Spirit. Sans déconner. I believe this is the enduring rite, a test of the soul's worthiness. It demands a bout, but not just with brawn. And it calls upon the mind, but not just with strategy. And we, Zhao, must find the two great keys to venture forth. Then let us find them. Ah bah écoutez, on fera ça dans le prochain épisode les amis. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 11. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis on se rendez-vous très très bientôt. C'est Silex One for the next episode. Oh yeah.